Kate Middleton trop frivole? Ce que la reine Elizabeth II n'aimait pas chez la duchesse avant son mariage avec le prince William. Le tabloïd The Sun rapporte mercredi 6 février qu'avant son mariage avec le prince William, la reine Elizabeth II ne portait pas vraiment Kate Middleton dans son cœur. Et ce à cause de son mode de vie trop luxueux. Depuis son mariage avec le prince William en 2011, Kate Middleton semble très bien intégrée dans la famille royale britannique. Pourtant, au début de sa relation avec le prince héritier, la reine Elizabeth II ne portait pas vraiment la jeune femme dans son cœur. Et ce à cause de son mode de vie un peu trop luxueux. Quand Kate n'était pas avec William à Balmoral, le couple partait skier ou passait ses vacances sur l'île Moustique, rapportait ainsi Cathy Nicholl dans sa biographie William et Harry, sortie en 2010, et que relaye aujourd'hui The Sun. Kate y allait si souvent que la presse l'a surnommée la reine de Moustique, un titre qui avait déjà appartenu à la princesse Margaret, la sœur cadette de la reine Elizabeth II, expliquait la biographe. Des habitudes frivoles qui ne plaisaient pas tellement à la souveraine britannique, ce qui l'a amené plus d'une fois à penser que passer d'une station balnéaire 5 étoiles à une. Autre n'était pas la condition préalable pour une jeune femme susceptible de devenir reine. Un mode de vie plutôt somptueux qui n'était à l'époque pas cohérent avec l'actualité économique et sociale de la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne était en pleine récession et de telles démonstrations frivoles de richesse étaient désagréables pour la reine, expliquait Cathy Nicholl dans son livre, relayé par The Sun. Photographiée à plusieurs reprises écumant les clubs de la capitale britannique, Kate Middleton avait alors été remise dans le droit chemin par la reine elle-même. Elle lui avait suggéré discrètement de s'affilier à une organisation caritative et, en septembre, elle était associée à Starlight, qui travaille avec des enfants gravement malades et en phase terminale. Rapportait Cathy Nicholl. Histoire de redorer son blason de future épouse royale.